bonjour, bonsoir les amis. Salut, salut. Bonjour, bonsoir. C'est... c'est Miyokyun. Ensuite, c'est... Una. Toi, tu devais voir. Et après, c'est... JD. Et oui. La bande à... La bande à Gugus. La bande gaga. La bande gaga, j'ai cru que t'allais dire moi, en fait. La bande à gaga. Non, on n'est pas Lady Gaga non plus. Hein. Non, ça c'est moche. Non, ça c'est moche. Enfin... Faut être gaga pour aimer Lady Gaga, de toute façon. Pardon. C'est jeune mot pourri, je peux pas dire. Oui, je sais, c'était très pourri. Mais on D'accord. s'en fout. Safe. Ça marche. Donc on est là pour une vidéo pour Noël. Noël. Eh oui, et vraiment Noël, si vous allez voir. j'ai été fou. Ah. J'ai succombé au côté obscur du fanservice. Oh là là. Alors. Ah, c'est ton copain dès le début. Allez, les garçons, à vous. On fait notre versus préféré. Alors, voilà, j'ai succombé au côté obscur. On va commencer tout de suite. En mer Noël. Attends, parce qu'en plus, moi, je le vois qu'après, vu le décalage de la connexion. Moi, le pire, c'est que je vois pas la tenue. En fait, j'ai vu la tenue basique qu'elle a, en fait. Ah, pareil. Ah, c'est dommage. Que vous avez pas téléchargé les... Je les ai, moi, tous, les catalogues. Ah, ok. Même le tout dernier, donc, le catalogue 8. Non. Ah, voilà. Parce que les DLC sont sortis... Le 18. Oui, mais faut payer. C'est ah non, les catalogues, non, tu peux les télécharger en fait gratuitement. Ah d'accord, on voit la fiche qui se connaît beaucoup. C'est dommage. Moi, je suis pas trop dans ce style là, je préfère m'acheter un autre chose. Ah bon, d'accord, donc Mio, je veux dire, j'arrive, moi, donc, mon écran c'est tu avais presque plus de billes. Hein. Bon là, évidemment, c'est JD qui s'est fait exploser, mais bon. Ben oui. Et attention, c'est parti. Oula. Ayane enchaîne un super beaucoup, mobile des ripostes, on contre. Là, il y a des rebords, elle a fait une pirouette. Bon, c'est une contre vraiment pourrie. Surtout que ça va même pas être en... Oh. Oula. Si, c'était pas mal, t'étais presque pas en différé. Et pourtant, c'est viré. Par contre, on voit bien ma petite culotte blanche. Ça se confirme, peu importe le costume. Ah, non, tu vas voir. Ah oui, moi j'ai vraiment pas du tout ça comme... Moi j'ai pas de mère Noël, hein. Mais c'est pas grave, vous regarderez la vidéo et vous aurez la mère Noël. Je vais être obligé de la regarder. Oh là là. Du coup... Luna, c'est à Alors, toi. Alors, je suis où moi déjà? Voilà. Tu es J2, tu es là. Et moi je vais prendre... On reste dans le classique. Allez, on va prendre... Ah, évidemment qu'on s'est tourné. Oh, cette tenue! Alors, c'est la tenue bandage contre la tenue. Voilà! T'as pas besoin de chercher plus loin! J'essaie de trouver quelque chose d'un peu plus adapté, mais apparemment, je suis pas très douée là. Gros pif! Bah, c'est tu peux pas chercher plus loin, hein. C'est une tenue de clown. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Tout à fait. Parce qu'on est débile. Parce qu'on peut faire. Oui. Zelda no Densetsu Musou Yaha. Oui, je sais, c'est complètement à l'ouest, mais c'est pas grave, on s'en fout. Fallait que je le place. Guerrier du village. Oh là là, ça montre que j'ai pas joué depuis longtemps. Hein. Se faire humilier par un clown, c'est honteux, quoi. Et c'est là que... Ah, je suis gentil, je te laisse. Et c'est là que... C'est là qu'on va nous sortir un super combo. Tap. Tu m'as fait perdre mon chapeau. Pour ça, t'es bon. Voilà, la Kasumi se prend un bon coup de les ovaires. Attention, il tombe contre-attaque. Oh, oh, finalement, c'est Kasumi qui revient. Qui est-ce qui va remporter ce premier combo? J'étais bien remonté. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, t'arrêtes, oui. Non, j'ai pas fini. Je pars. Et le clown, tu sais pas faire ça, toi? Moi, je sais faire ça.
Ah. Voilà, un joli. Non. Je veux pas le savoir. Faire une connerie. Je veux pas le savoir. Du coup, JD. Oh, tu prends Zach. Ouais. Donc, Mio est en train de mettre une branlée. Bah, ça change pas vraiment. Attends là. Ah, là, je le vois en Père Noël. Ouais, moi aussi. Bon, bah, aléatoire. Hein. Hop. Ouais, moi je profite, hein. Mais c'est Noël. Et pourquoi spécialement cette vidéo pour Noël, cher Mio? Alors, parce qu'on a décidé avec JD de faire une. Parce que c'est Noël, on est gentil pour nos abonnés aussi, quoi. Et je danse. Ouais, non, je te connais, avec Zach, tu vas me lancer c'est de rire à faire. Je vois plus marqué chargement en cours. Enfin, vraiment, faut voir que je regarde la vidéo sur YouTube, en fait, pour savoir ce qui se passe. C'est ça. Parce que là, je lui ai fait un spin. On dirait qu'il fait caca. Corps. Tu veux mon corps. Oh. Oh. Sur Yuken. Alors, Zach. Vous vous rendez compte qu'il fait au Père Noël là? Oh, hein? Hein? Oh, le lag! Le lag de l'infini! Je suis Lotte et j'ai gagné! Oh, Mio, t'as quitté le salon! Ça vient de chez toi! J'ai pas fait ça moi! J'ai bugué, c'est tout! Du coup, JD, il a gagné! Ouais! C'est... J'ai bugué! C'est pas juste! Yes! Non, mais du coup, attends, il faut qu'on quitte le jeu là! Bah, non, après le combat. Ah, d'accord, ok. Tu la joues comme ça. Donc, vous faites un combat, vous deux, c'est ça, ça ouais. Juste... On est obligé. Donc, ouais, vous vous oubliez pas d'aller au salon après, les amis. Ouais, c'est ça. Et tu là, tu vois l'image ou pas? Ah non, pas du tout. Mais j'ai quitté le salon, hein, les amis. Ah. Les youtubeurs voient très bien que je ne suis pas. Que je suis sur la page du jeu, quoi. Bon, bah, tu feras une coupure au montage, écoute. Oh non 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 non, vous vous maniez le cul et puis on revient, hein les amis, bien sûr. Oui, on va t'attendre. Bon ben, bon ben je te passerai des images drôles pour les faire patienter. Oh, c'est pas la peine, hein. Ah. Je vais mettre des gens qui sortir. Je vais bien, je vous rassure. C'était... Moi je me suis fait sortir du salon quoi, alors que je menais 11 victoires. Ouais, et bah non. Oh là, j'ai un peu. Oh, y'a un lag terrible là, t'avais pas vu? Ah si, bah c'est carrément. C'est donc... Mais du coup, je vous renvoie tout de suite les invitations. Hein. Mais c'est ouais. Pas juste, j'avais contré. Et je vous laisse vous dépêcher. On a gagné la première manche. Vas-y Luna! On est avec toi. Il y a Dark Hunter qui est rejoué à la fin. C'est qui ce mec? T'as invité quelqu'un d'autre? Non, il y a un mec qui est venu en random. Pourtant, c'est salon. Censé être un salon privé. Alors ça, c'est la... Bah, il y a Dark Hunter 95 qui est venu. Ça, c'est la magie. Bonjour à toi, si tu nous regardes. Tu l'avais annoncé ou quoi? Eh. Ah non. Non, 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 non. Mais vous quittez, hein. Vous quittez le salon. Ah hein. Oui, oui, oui. Mais il y a une troisième manche. On est trop populaire. Non mais tu me crois pas mais un jour sur la live y'a quelqu'un qui a fait oh non je vais affronter JD, t'as vu c'est lui. Oh c'est toi qui m'a fait là. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce détail mais c'est vrai, y'a quelqu'un qui t'a fait ah j'affronte JD. Donc tu te reconnais, bah bonjour. Victoire, elle a gagné. Salon Salon et vous quittez salon. C'est bien parti, sûr. T'inquiète. Bien sûr. Et après, on a déjà l'invitation. Non, Dark Hunter, non. Au revoir. Du coup, il faut qu'on reparte là-bas. Voilà, du coup, hop. Et on n'a plus qu'à reprendre l'invitation qui a déjà été envoyée. Invité à jouer. Hop, c'est parti. Voilà, Dark Hunter, il a quitté le salon. Là. C'est bon. En plus, ça fait peur son nom. Carrément, c'est trop dark. C'est le chasseur noir. Le chasseur des ténèbres. Il chasse, oui, il chasse plus que la nuit, le pauvre. Il doit pas gagner beaucoup de chips, bien des noms.
Eh mais c'est pas juste parce que j'ai envie de gagner là. Bah c'est pas grave, ça compte quand même pour une victoire, je te rassure. Gagner 0. Non ça c'est c'était c'était mieux ça. On parle à... Je veux ma revanche. Pour le fait, je prends un autre perso que celui de base que j'avais pris. J'avais pris justement Jan Lee en plus. Ben. Y'a là, Maman Noël. Oh là, ah oui, en effet, là par contre, c'est le mois de Noël, là je suis d'accord. Y'a pas une map de Noël, c'est dommage. Ouais. Non, c'est dommage, ouais, y'a pas de map de Noël. Ah si, y'a la neige. Ah ouais, 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 bon, ouais. Moi, je vois rien. Là, c'est moi, je... Oh le lag. Ouais, tu peux plus bouger. Ah, qu'est-ce que c'est que ça. Bon bah c'est pas grave, on ira sur un ring. Alors, parce moi, que la mère Noël fait aussi de la boxe. Alors moi, je suis sur le fait que tu sélectionnes toujours un niveau, JD. Ce lag. Et maintenant je suis... Non mais ça a lagué là tout à coup, t'en fais pas. Et JD, c'est reparti, nous nous faisons une petite bataille. Qu'est-ce qui se passe? Bah t'as quitté le salon. Bah oui. Oui. Ah bon? Ah ouais d'accord. Tu vas devoir faire une coupure. Je suis désolée mais tu devras pas apparaître dans la vidéo. Dans la vidéo. Pourtant j'ai pas une collection de merde. Ah bah on a tous les deux 4, enfin tous les 3, 4 pardon. Du coup c'est bizarre. The fuck. Vous ne voulez pas que je joue en fait. C'est les serveurs, ils sont motivés pour vous, c'est tout. Surtout que c'est moi qui suis invité ce soir. Bah écoutez, je vais essayer de vous rejoindre. Il devrait faire un DLC mise à jour pour éviter ce genre de truc. Quoi. Allez. Mais bon, s'ils sortent autant de DLC comme j'ai dit hier à Mio, c'est parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de pognon pour le 6. Oh là là. Ouais, c'est ça. Ouais, bah on attendra avant de l'avoir, hein, celui-là. Bah ouais. Je me demande si je vous ai pas oui, reçu. Si, c'est ça. C'est ça. Wouah. Est-ce que ça va marcher? Pour l'instant, tu vois le combat. Oh, je lag, hein. Moi, je vole dans les... C'est en chargement en cours. Mio, t'es en train de nous ralentir, en fait, le combat. Parce que je frappe JD alors que je touche même pas, pardon. En plus, d'habitude, on n'a pas de problème en jouant avec JD. Hein. Oh, dis que c'est de ma faute tout de suite. C'est ça. Pourquoi? Je ne l'ai pas dit directement, mais pourquoi Yui est pas là? Au moins, elle me défendrait. La solidarité féminine, pardon, ça paye. Elle est occupée, voilà pourquoi elle est pas là. Non, mais ce soir, elle m'a laissé sa place un petit peu. Ouais. Elle voulait que je voie ce qu'elle subit souvent avec vous. De la violence conjugale. Elle a dit, vas-y, Luna, ton tour un petit peu, t'es loin, mais bon, tu peux quand même être confrontée à la... À cette drôle de virilité. En fait, je viens de remarquer qu'on peut regarder sous tous les angles le combat. Oula, c'est ça, c'est bizarre. Winner! Bien évidemment. Fan service, hein? Pardon. Non, mais. Bon, j'espère que je vais pas faire. Je vais pas laguer. Alors, attends, hein. Je suis où moi? Et du coup, j'avais pris Sarah, elle est morte. Ah, j'ai pas téléchargé le costume de Rachel. Tant pis. Alors, Mio est un fan de base. Il adore regarder les filles de Dead or Alive en petite tenue. Ben, pourquoi il télécharge les DLC? Alors, non, je ne télécharge que Momiji. Donc, on corrige ce que je viens de dire, c'est un fan de Momiji, donc il télécharge tous ses DLC. Mais je ne les ai pas tous téléchargés. C'est en cours. Ça ne serait tard. Voilà, on est d'accord, JD. Hein. Non, parce que là, c'était exceptionnel. Non, mais il y en a sont vraiment moches. Le prix du DLC, 2€, la petite tenue, je fais... Et JD, il l'a pas dit à Mio. Ah, Yui. Si, au contraire, si. JD est témoin. Je suis témoin. Oh là là, la tenue. Bah dis donc, la mère Noël. C'est la mère Noël qui a perdu son chat. Bah elle peut plutôt perdu sa... Ah, je vais pas sa le faire. Sa culotte. Non, non, j'allais dire aussi. Sa virilité. Sa virilité. aussi, ça marche, hein, ce que je viens de dire. Hein. Je fais des coups trop courts.
Oh là là, je t'ai même pas vu venir. J'ai eu un fantôme sur mon écran. T'as traversé le décor. Sérieux, c'est vraiment moi qui lag comme ça? Non, non, je lag beaucoup, moi. Non, mais c'est ma connexion qui fait laguer ou quoi? Je me demande. Oh là là. Ce combat ralenti, on dirait Matrix. Alors attention. Vas-y, fais-la tomber. Non. Normalement, là, t'es mort ou tu pètes les vertèbres, mais chez eux, non. C'est comme... c'est Dragon Ball Z. Tu tombes d'une... Aïe. Et derrière, il y a Yeti Sport avec les pingouins. Il y a un pingouin qui te regarde, il y a Pingoui. Pingoui. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa pingouin. Le papa, le papa pingouin. Ok. S'enlire sa banquise. Kamehameha. J'ai cru que t'allais faire une grosse prise, mais apparemment ça a pas passé. Non, c'était ça. Tu vas perdre. Je l'ai placé, mais je suis mort à cause de ça. Ah là là. Donc, fille 2, garçon 0. Alors, qui est-ce que je vais prendre? Alors, les amis, qu'est-ce qu'on peut marquer à nos amis? Moi, j'ai déjà marqué un truc, mais c'est censuré. J'essaierai tout à l'heure. Mais bon, il faudrait pour ça que vous arriviez à me battre, les garçons. Je vais pas faire ce soir. Faut pas m'en vouloir, hein. C'est l'émotion d'être parmi vous. Vous rendez compte que petits amis, je suis très peu souvent invité, vous voyez très peu là, dans ces vidéos. Si tu vois ce que je veux dire, Yo. C'est parce que tu gagnes. Achète Dynasty Warrior Strike Force et joue avec nous. Ouais. Comment tu dis ça? Ah, tu sais, en plus, j'ai pensé à toi, j'en ai vu la dernière fois des Dynasty Warriors à la Fnac. Mais c'est cher la Fnac. Non, c'était des c'était en occasion en plus. Les gens les avaient revendus. Ça se revend pas. En plus, je l'aime pas, elle. De qui est l'iPhone? Ouais, je suis pas fan de son combat de Tai Chi. On aime bien, ça fait classe. Ouais. En plus, elle a une tenue où elle a les cheveux courts, ça la rend toujours plus cabri. Ouais, puis mais en plus, elle a une tenue prostituée, je trouve. Bah, c'est une oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, C'est juste que les ont coupé sur les côtés, quoi, c'est tout, c'est pas arrivé. Hein. Bon, tu me diras, Ching Sai. Mais non. Ou Liang Chi. Il y a eu un lag, c'est pour ça. Wouah. Oula. Poum. Kick dans la gueule. Non, mais. Et toi, tu sais faire ça, monter ta jambe aussi haut? Sans te faire de claquage? Non mais bah, la preuve. De toute façon, les femmes sont connues pour être dans la tête, quoi, ça prouve. Sérieux, mais bah, c'est pas possible, c'est moi qui vous fais laguer ce soir. Bah, parce que là, on lague pas du tout. Bah, ouais, c'est non, ça. Mais c'est. Bon, par contre, je. Hallucinant, j'ai envie de dire. Moi, c'était quoi ça? Tu bats une femme à terre? Bah, ouais. Violence. Tu donnes des claques. Tiens. La... violence sur femme. La violence de la claque avec le pied, quoi. La claque au pied. La claque au pied. En plus, je maîtrise même plus les prises. Oh, j'ai rien dit. Tu m'as contré en fait. Ouais. J'allais faire une prise et tu m'as contré sans faire exprès. Ouais, carrément, parce que j'étais en train d'appuyer. Je fais, oh, je vais tester carré-croix. Rond-croix, je sais pas. Et du coup, t'es en train de gagner. J'ai explosé sa tronche. Bon, je suis un peu cracra, vous remarquerez là. Hein. Ouais, je voulais faire un zoom, mais c'est parti. Hyrule Warriors par Technobook. Cette pub. Alors, oui, donc bientôt on devrait. Fais attention parce que ça, c'est du. Les ayants droit de ce jeu risquent de nous en vouloir et YouTube va nous supprimer. Bon, on va essayer. Il est pas encore sorti, donc c'est pas grave. Non, mais rien que d'en parler, quoi. Oh mon dieu, t'as pris Geoffrey. Justin Bieber. C'est Geoffrey. Non, non. Si. Il est beaucoup plus classe, Geoffrey. Geoffrey. Oh. Il est beaucoup plus classe. En plus, il arrête sa carrière d'acteur après. Ouais.
Le terrible accident. Vous allez vous faire pourrir. Ah bon ? Il le sait, il l'a dit lui-même en fait qu'il arrêtait. Après qu'il arrêtait la une fois que la série était finie pour lui, il arrêtait. Ouais. Après le malheureux Maxi Doc va avoir. Parce que je me suis pas fait spoiler, j'ai tenu. Je rêve toujours de sa descente dans les escaliers, je rêve. Je dis le défi, Père Noël, bourré. Donc voilà, chers enfants, si vous croyez au Père Noël, faut savoir que Père Noël est toujours bourré. Bah attends, et faut qu'il tienne face à Père Noël, et puis hein, il a une entreprise à faire tourner, les petits nains ils sont un peu chiants. Hein. Bah c'est des esclaves. Et... Oh mais eux. Ah j'aime. Wouah. C'était quoi ce truc? C'était quoi cette prise? On a fait quoi la Mio? Vous avez pas dit que je savais l'utiliser plus ou moins celui-là? Si, mais bon quand même. C'est le plus chiant. Non, j'ai jamais dit, mais. Même dans le solo, il est chiant à battre. Pas dans mon histoire quoi. Non! Il a un gameplay de dingue, faut pas croire. Non, mais là, t'allais pas me faire le coup de foire. Non, mais je vais t'en faire un peu, tu vois. Donc alors, on y va. Non, mais tu vas mourir, Papa Noël? Tu vas mourir. Ah mince, j'ai été distraite. C'est content. Tu dis ça mais tu le pougnes, hein, je veux dire. Non. Là, tu vois, quand tu dis des choses comme ça que... Oh oh, meurs. Punaise. Eh mais ça va bien. Ça n'a pas lagué par contre. Ah non, c'était bien alors. En fait, elle se débrouille bien avec Justin Bieber. Et pourtant, je l'aime pas ce type-là. Nous, on joue quasiment une fois par semaine. Elle joue pas plus de 2 mois, puis elle arrive à nous battre, causer de la violence. Allez, oui. Vengeance. Mais surtout, en plus, je prends des personnages que d'habitude, je n'aime pas jouer. Non, mais rassure-toi, nous non plus. Ouais. On n'aime pas ces persos. Moi, je prends. Parce que là, Kamessénine, elle est bien gentille, mais. Bon, allez. En personnage, j'ai pris Jean-Fu. Jean-Fu. Jean-Fu, mais 3. Alors pourquoi 3, je sais pas, mais c'est pas grave. On sent que c'est bientôt Noël, hein. Le vin chaud. Je bois pas le vin chaud. Je bois pas d'alcool tout court. Nous sommes des geeks, mais sobres. C'est ça. Et vous êtes mariés fans tous les deux parce que vu quoi, vous faites souvent ça. Attends, il y a un épisode de Seigneur des Anneaux où on est aussi très synchro. Donc... C'est ça. Ça nous arrive souvent en plus. Hein. Mais tu m'as fait perdre mon chapeau. Ça c'est pour. Eh oui, nous sommes actuellement sur la dégringolade de Tokyo. Oui. Tu vas mourir, je l'aime. Et Tortue Géniale est en train d'enchaîner face à April O'Neil. Mila. De quoi? April O'Neil, ah ouais, pas mal. C'est juste le côté roux, hein. Après elle a rien qui lui ressemble. Hein. Vous voyez, elle est pas bien tout en jaune. Dire, ouais. Et la première manche va revenir à Tortue Géniale. Tu sais que... Je sais pas pourquoi... Attention, tu sais qu'en fait j'ai dit April O'Neil parce que... je sais pas pourquoi j'ai pensé à... La Tortue Ninja. Ah bah il faut pas grand chose hein. Ouais en fait Tortue Géniale c'est Splinter. C'est ça. Mais oui on le sait oh pas mon Dieu. C'est... Bah attends, et autant rester dans les animaux hein. Attends les Tortues Ninja, je suis désolé mais Tortue Ninja, Tortue Géniale pour moi. Attention, c'est serré. Ah. Et oui, après l'O'Neill. Reviens, elle revient au score. Qui va remporter le match? Ah. Et c'est Tortue Géniale qui a donné le premier coup, mais Mila se défend bien. Je le maîtrise vraiment pas, hein. Et puis il est nul, hein. Il est trop nul. Je lui mets... Alors, ça sciatique, je crois que là c'est bon, hein. Je lui mettais mon des tatanes. T'es mort. Pourquoi? On appuie sur L2. T'es mort, Géniale. On appuie sur L2. D'accord, pourquoi L2? Hajime. Ah. Hé, je montrais mes fesses. Dommage, j'ai voulu... Tiens, mange. Ouais. Et c'est April O'Neil qui remporte le combat.
détruisant ainsi les 5 victoires consécutives de Tortue Générale. Mais je vous... Tout ça à ma technique de clé dans les yeux. Je vous l'ai pas dit, mais je vous ai laissé gagner. Bon, du coup, voilà, voilà, moi je prends quelqu'un que j'aime pas. Jackie. Vampire. Ah ouais, mais toi tu prends Kasumi quoi. Bah oui. C'est le grand blond contre une grosse poitrine. Ils ont tous des grosses poitrines. Même les mecs. Oui, oui. Même Basse, oui. Même j'en fus. J'en fus quoi. Ce nom. Bah, je suis française, je lis à la française. J'en fus. Oh mon dieu. Pêche, on me l'avait jamais faite celle-là. Moi non plus. Ah, moi, ce qui vient de me choquer, allez, là, c'est que je parle à la française, quoi. Ça m'a choqué. Allez, c'est que Kasumi. Non, mais vous devez quand même savoir, les gens, que je sais très bien parler d'autres langues étrangères et j'ai l'accent. C'est Kasumi, donc. C'est Kasumi. 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 Ah oui, c'est bah un non. S. C'est un. Eh oui, il y a que un. Alors, S. Mon console. Oh, moi je lag un peu. Que je te mets. Ah, j'ai failli faire une prise de ninja. Go ninja. Ah, dommage. Raté. Normal, t'es déjà mort. Ah. Ça a lagué sur le coup là. Ouais. Ah, là, ou la roulade aussi, ouais. Donc, j'ai fait une belle pirouette. Donc nous assistons à un combat entre les forces du bien et forces du mal, la preuve. Tenue noire et tenue blanche. Dark Vador versus... Oula, qui a mis un coup de poing dans le nez. Et puis tu lui fais une prise de malade. What? Et je vais finir dans la bouche. Oui, oui. C'est quand même beau ça. Pour finir. On dirait que tu te déplaces en ralenti, c'est tout à fait ça quand il y a eu le lag. Bah oui. C'est totalement adapté comme phrase. Les clowns ils sont tout contents. faut que je mette un message aussi. Alors du coup qui est allons-nous prendre? Allez, un autre que j'aime pas. Akira contre Kokoro. Ah, Kokoro. Naruto. Naruto. Fairy Tail. Petit clin d'œil à notre cher ami. Je vous emmerde. Bleu H. Bleu H. Et je vous laisse un message du coup. Dragon Ball Z. Oh là là. Albator. Oui bah ça en français ça me choque pas. Parce que c'est... Ça me choque pas parce qu'en japonais c'est différent. Ouais c'est... K-on. Con. Non, c'est K-on. Non, c'est con. Non, c'est con. Mais non, c'est pas con. C'est même trop bien. Au passage, je fais un petit coucou à une geekette qui est à mon boulot. Ça fait toujours plaisir. Bah oui, non, mais aujourd'hui j'ai découvert que la stagiaire de mon boulot était en fait une petite geekette. Quand elle m'a entendu parler jeux vidéo, elle a fait « Mon dieu, mais toi aussi tu es une geek !» Super. Bon, bonjour à toi, Céline. Ouais, carrément. Bah non, mais je lui ai parlé de vos vidéos. Donc c'est d'accord. Pour ça, je me dis au cas où. Hein, Voilà pourquoi je n'aime pas du tout Akira. Bon, moi j'étais en super tenue cycliste. Bah ça lui va bien. Yowamuchi pédale. En plus elle a une montre squash. Yowamuchi pédale. J'en fous mieux trop. Alors, on va passer à du lourd, à savoir là, voilà. Moi je prends qui? Et la nouvelle tenue que j'ai débloquée aujourd'hui même. Kasumi contre Momiji.
Ici Jimomuji. Allez, on va faire un petit aléatoire. Ah, t'aimes pas, hein. Ah là là. Ben. Les joies de PSN, c'est bon. Non, c'est le jeu, c'est les serveurs. C'est... Ouais, mais c'est vrai que c'est un jeu. Enfin, je trouve que Dead or Alive, c'est une catastrophe de ce côté-là des chargements. Ça l'a toujours été, depuis le premier. Ah bon ? Je vais pas souvenir sur la PlayStation. Oui, oui. Ah si. Ça freeze même. Je crois que Mio s'en souvient. Oh oui. PlayStation 2, ça freeze. Oui. Oh ! Tu remets le CD, ah ça marche. Oh, et oh. C'est la bonne époque ça. Ensuite, tu fais ça, bah y'a tout qui part en sucette. Mais dis donc. Mais. Pardon, j'ai pas fait exprès les amis de me mettre sur cette position, c'était vraiment. Mais tout à coup, je me suis arrêté sur une position en passant et je suis resté dessus. Je veux pas le savoir. Alors... Dommage. Bah, tu le verras quand je ferai la vidéo, tu le verras. C'était celle-là. Ça dépend, refait. J'ai fait en fait, j'ai fait marche arrière. Refais là. Attends. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Et je suis vraiment dos à toi en fait. Je regardais tes fesses. T'es ta cul. Mais c'était vraiment pas volontaire. Je faisais un petit tour. Ouais. Un petit tour et puis en bim. Fight. Couché. Ouf. Ah, j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu de la chance. C'est clair. Alors, vous dites que vous avez eu un latch alors que je l'ai pas spécialement remarqué pour la vidéo. Ah, nous c'était un léger, c'était vraiment léger. Alors, je te signale juste que t'avais pas le droit de perdre, Julie. Pas grave. Je sais ce que j'ai à faire. C'était pas à gagner, je m'en fous. Ah, et on. Ah là là. Oh là là. Allez, je vais essayer Hayabusa. 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 Oh, il est moche. Il est moche en bleu. Ouais. Donc ça, vous avez compris, hein, c'est la deuxième tenue que j'ai téléchargée. Ils vont adorer cette vidéo, les gens. Comprenez, il nous faut un quota pour Noël aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Même si la musique, même si la vidéo, on n'a pas d'argent dessus, de toute façon, on s'en fout, mais on fait ça pour le plaisir. C'est ça. Faut qu'on ait un quota. Voilà, c'est ça. on veut se faire connaître. Et puis, je suis pas venu aussi souvent qu'on l'avait dit. Ouais. Donc, faut bien que je me rattrape. Mais nous, on attend que ça, quand même, aussi. De quoi? Que tu viennes plus souvent. Et ouais. Mais c'est comme je dis, moi, j'essaie aussi de faire des vidéos pour un petit peu... enrichir votre bibliothèque YouTube, mais bon, ça fonctionne pas chez moi. Donc c'est pas grave. Oh, tu lui as marché dessus là. Non, 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 non. What a... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? J'appuie sur un bouton, il réagit pas. Se tente avec le L2. Ça se voit que tu maîtrises bien mon midi quand même. Ouais, parce que franchement... Parce que dans mes écouteurs, j'entends le bruit de la manette. Tiens, je veux le placer celui-là. Non, tu l'as pas. Voilà. Mais... Je l'ai pas placé sur toi, c'est sûr, mais je voulais le placer. Get ready. Oh dommage. Oh dommage, ouais, je me suis un peu loupé pour être poli. Foiré. Ouais, ouais. Oh, puis je rage. Je fais pas tous mes réflexes, moi, mercredi soir de semaine, parce que c'est la semaine mercredi. Faut que j'arrête, en fait. Au moment où t'as voulu lui mettre dessus, tu t'es téléporté. Et Bomichi regarda vers le soleil couchant
qui était très haut, qui était très haut dans le ciel. C'est ça. Les Schtroumpfs attaquent. Les Schtroumpfs. Donc nous avons paix, parce que c'est une... paix contre. Oui, paix. Paix contre Léon. La paix. Non, un P. Oui, non, même un pas P, c'est P. Prout. Un bon P. C'est quoi cette vidéo qui part en sucette là? Et encore, on est soft, hein. Franchement, y'a pire. Avec Léon, j'habite à Léon, j'ai un beau camion, j'ai une fille qui s'appelle Marion. Il faut nous laisser maintenant, faut aller dormir, je crois. Ah là là. Et t'as vu, sans me faire mal. Attends. Voilà, je vois pas la vidéo, c'est même pas drôle. Moi je peux pas faire de danse avec. Oh merde. Aïe. Ninja. On est à Halloween. Non d'ailleurs ouais, j'ai pas téléchargé toutes les tenues de Momiji parce que j'ai pas téléchargé celle-là, celle de Noël, de Halloween. Elle était sympathique. Ouais. Vite fait. Oh, j'étais passé entre les cuisses. Non, c'est vraiment plus. Non mais je veux bien te croire mais quand même. Ah non non. Oh! Balayette! Aïe! J'imagine pas la douleur qu'il a avec ses rangers lui! Ah oh oh! Et alors il y a 4 descentes infernales comme ça en fait. Hein. J'ai testé quand la map était sortie. Ouais, vas-y, continue. Voilà. Oui! Oh! Oui, à chaque. Oh. Oh. Oui, à chacun! Vous allez transpirer pour moi. Rambo, c'est pas ma guerre! Rambo passe entre les cuisses! Oui, je sais. Je suis drôle. C'est du RP en fait, on fait des phrases RP qui veulent rien dire. Ouais. Ton copain, je l'ai. Ah, pas bon. T'as pas fait gaffe? Ah non. Je suis en train d'écrire après. Ok. Bon, sinon, je lag plus, hein, vous avez remarqué? Ah oui. Ouais. Chers amis, hein. Voilà. Ça lag plus. Ouf. Alors. Et dire que les amis, on vous prépare cette vidéo pour en fait. Pour nous, c'est dans une semaine. C'est ça. C'est ça. Pile poil. Pile poil. Ouais, dans une semaine, il y a Papa Noël qui sera passé. Il aura encore un an de vacances, le chanceux. Zach en Noël. Parce que oui, les Pères Noël noirs, ça existe, hein. Bon, ils sont un peu violents, mais c'est pas grave. Bah, ils viennent du Bronx, hein. Non, mais... Ou alors du 93. Oh là. On peut pas... Tu pourras censurer ça. Non, je m'en fous, je suis à l'abri. Alors, tu me donnes combien pour que je dise pas où t'habites? Ah, mais ils savent qu'il habite dans le Nord. Non, non, mais moi, je parle de la ville exacte. Bah, les pommes, ils sont trop paumés. Déjà. Ouais, tellement trop paumé. Un colis, ça met. 10 jours à arriver. Non, mais c'est vrai en plus. Oh, c'était beau ça. Que bon affirme. Reste à terre. Voilà les enfants, donc si vous êtes pas sage, voilà ce que fait le Père Noël de nos jours. Il viendra vous mettre des coups de boute en pleine tête. Parce que oui, le Père Noël en fait est très violent. Et en plus il est noir. Oh. Et il est jeune. Et il pleure. Et il vend de la drogue. Non, il pleure pas, il a chute. Il arrive à Chantal Goya. Bah oui, je fais du RP. Bon, on va prendre un petit peu rush. Et vous, les gens, dites-nous quel est votre perso préféré.
Parce que depuis tout à l'heure, il y a JD et Mio qui sont en train de dire moi je l'aime bien, moi je la maîtrise, ou je le maîtrise. Pour pas faire. Pour pas faire de. Hein ? Et donc, oui, oui. Vous, quel est votre. Je veux dire, quel est votre animal préféré ? Non, quel est votre personnage préféré ? Dobuti ! Quel est votre animal préféré ? Le serpent, parce que je suis signe du serpent. Je veux dire que chez moi. Ah, juste là, je suis dragon. Et moi je suis. Je sais que t'es dragon, j'ai rien en plus. Ah. Et toi JD, serais-tu le pochira? Moi je suis steak. Non, moi je suis un steak caché. T'as fini dans un laboratoire. Ah, t'étais caché dans un laboratoire toi aussi. Ah oui, oui. En plus en ce moment. Pardon. Bon, la mère Noël a gagné contre la businesswoman. Elle a une culotte bleue. Non, c'est sucre. Non, c'est sucre d'orge. Voilà, c'est pas mère Noël. C'est la fille, c'est sucre d'orge. La sucre d'orge va prendre cher. Oh le rire. C'est normal. C'est les nerfs qui tassent, hein, il faut décompresser le soir. Oh, ce coup d'escarpin. Ah voilà. Aïe. Mais je vais te mettre mon coup d'escarpin avant la fin du combat. Alors, j'ai une petite question pour les garçons. Savez-vous ce qu'est un escarpin? Non, je m'en fous. Oui. Et là, arrive Rambo passe entre les cuisses et là, arrive Chantal Goya. Extasie à l'escarpin. Tu sais, ça me rappelle les jeux que tu fais quand t'es au primaire. Oui. On peut aussi faire des phrases avec... La fin du mot précédent et tout. Ouais, et ça peut rien dire. D'ailleurs, concernant le Père Noël, il y a des petites photos sur internet, on peut voir les différents Pères Noël à différentes époques ou les gens qui ont été déguisés. Je peux vous dire que c'est horrible, ça fait passer le Père Noël pour un pervers. Mais de base, le Père Noël a cette réputation de pervers. C'est Miloui en fait. Oh non, non. Non, t'avais pas le droit, ça. Ah si. Ah non. Ah non, non, non. Les enfants, allez sur internet chercher c'est qui. Non. Perdez pas le peu d'innocence que vous avez. Ils sont pas innocents, ils jouent à Call of Duty. Parce qu'en plus, on a des enfants qui regardent la chaîne. Oui, c'est vrai. Alors voilà, donc JT, t'as le droit à te faire exploser la tronche. C'est ça. Non, oui. Par le grand frère. Oh, oh je fuck. Judo égale karaté égale pouvoir. Va faire la cuisine. À noter que t'es quand même beaucoup plus rapide que moi hein, quand tu... Ouais, bah étant donné elle est assez rapide quand même de rien. Bon je... Oh là lui. Je t'ai vu passer que d'une vitesse, je sais pas si c'est ça. Tu m'as frappé la gorge. Alors là j'ai plus marqué le mot tête et apparemment c'est une insulte. Ah c'est à cause de tété le verbe tété. Non non. Ah là j'ai mis tête comme bien écrit, c'est complexe tout ça. Circonflexe, attention. Je me suis fait péter. Circoncis. Pardon, aussi. C'est pour continuer sur le jeu de mots. Aussi. C'est pour continuer sur le jeu de mots. Alors dans la tête du grand frère. Grand frère. Bah oui. Et que ça c'est l'escarpe toi là devant. On va prendre qui maintenant? Je suis où moi? Ah c'est là. Ouais, pour faire mal. Et en plus je suis en rouge, c'est Noël. C'est méchant là. Oui. Ça c'est un coup. Alors là, je veux dire tout de suite, on voit que les garçons sont totalement désespérés pour prendre Alpha. Ah, je te signale que je t'ai pété avant. Non, attends, bah, moi, c'est pour le LOL, ça, je m'en fous. Ah, je suis désolé, mais la dernière fois que je l'ai pris, moi, quand je connaissais pas le jeu, j'ai commencé à jouer. Et je me suis fait, oh là là, prends Alpha, c'est pas bien et tout, c'est cheaté. Et là, vous avez vu un peu, les garçons, vous êtes des lâches derrière votre écran. Alors, il est un lâche. Bah, non. Jamais je ne l'aurais prise. Mais. Moi, je m'en fous, j'utilise tous les persos, je m'en fous que c'est le plus fort. En grade, en plus, elle est nulle. Pardon. Je m'en doutais que c'était pour cette raison, de toute façon. Mais non. Ouais, j'ai réussi à y mettre un pain.
Vas-y Ayane. Oui. Pour une fois que je suis avec et pour Ayane. Ouais, bah ouais, bah t'as raison. Va prendre le haut avec les brocards. Voilà. Bon, alors vous voyez, bah, cette prise normalement est interdite. Par commençant du jeu même. Voilà. Et je bim 1-0. Je suis déconcentré à dire des conneries là. Ouais, ouais on a plus, on a plus, hein. On parle pas de Syracuse. Oh, faut que j'aille dormir. Faut que j'aille dormir. Ils vont pas vouloir que je revienne sur les vidéos, les petits amis. Hein. Ah si 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 si. Si si. Vous peut-être, mais pas les autres. Ah mais ils sont méchants nos viewers. C'est clair. Il détecte la moindre petite bête pour la défoncer. Oh purée. Surtout un. Ouais, ouais. Enfin, il n'y en a pas qu'un, mais c'est pas grave. Mais surtout un parce qu'il est très dissident. En allant dans les bois. Tralala. Bon, alors du coup. Ouais, en allant quoi? En allant quelque chose dans les bois. En allant. Dans les bois. D'accord. T'as une tenue de footballeur? Apparemment. De football américain? Mais ça ressemblait pas trop à une tenue de foot américain en fait. Oh, je sais pas, j'ai pas vu. Non, c'est un gars avec un short et une tenue de jogging. De yoring. On va dire que c'était plutôt du handball. Ouais. Les filles d'ailleurs qui malheureusement ont perdu aujourd'hui face à la Pologne en quart de finale. Ah ok, j'ai pas suivi, je sais. J'aime pas le sport. Les discussions animées de la chaîne, bouf. Et toi? Oh, c'est FJD que tu n'aimes pas le sport, il y a certains... Ah non, pas du tout. Et en fait, toi, d'accord. Dis-nous quel est ton sport préféré. Lire des mangas, mec qui a compris quoi. Bah mine de rien, ça fait du sport aux yeux, ça fait du sport aux doigts. Intellectuel. Ah, cervelle. Et puis, pour ceux qui... Putain, tu m'enchaînes. On t'enchaîne, mais bon... Bah disons que t'es un peu imbroulé. Oh pardon. Blague de merde. Bon, le Père Noël là, il est connu. J'ai une dent contre le Père Noël. Il m'a pas amené mes cadeaux en 1998. J'ai le souvenir qu'un jour on m'a offert dans ma famille. Alors, s'il y a des filles qui regardent la chaîne, peut-être ont-elles connu, et si celles qui ont mon âge, peut-être ont-elles aussi connu. Radio Girl. Et Barbie. On m'a offert Radio Girl. Le jeu qui te fait croire que tu parles vraiment à la radio, que t'as un présentateur dedans. Et on te dit. Et quand tu veux dire ton prénom dans le micro parce qu'il demande qui est la joueuse jaune aujourd'hui, le jeu il comprend jamais que tu lui dis le prénom. Tu peux lui dire caca pour ce que tu veux, il te le valide quand même. Mais pas le prénom, c'est voilà. Ça. D'accord. En fait ton prénom n'existe pas. Ça. Il peut t'appeler Émilie, Louise ou Gertrude, il connaît ses pots. Et pour ça... C'est impardonnable. Voilà. Non. Shit. Combat celui-là. Son coiffeur, il a fait une couille. Oh non, oh non, 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 j'y vais, non. Non. Je m'en fous, rien à péter. Oh, je peux rigoler. Rigoler? Rigoler, oui, parfaitement. Je suis pas de Calais, donc je parle bizarre. Pour toi. Et tu sais que dans voilà. Mon boulot, j'ai quand même une fille qui vient de Dunkerque. Ouais, Dunkerquoise. Ouais. Tu oublies l'autre. Oula. Voilà. C'est des violences, les coups des Dunkerquoises en plus. Quand tu vas à Dakar, si tu vas dans le mauvais quartier, ça... Oula. Bien vu, je dis bonjour à mon autre collègue. C'est ça, c'est quand t'as sur radio, quand t'écoutais, quand t'étais jeune. Oh oui, et puis, je peux passer un petit bonjour à ma famille. Alors, je remercie non. Tata Claudette. Oh là là. Oh, c'est boulé. Ça, oïde. Oula, oula, oula. Si vous, un jour vous me voyez m'habiller comme ça, c'est que je vais pas bien. Surtout moi, une grande blonde. Faudra que tu te fasses une tatoue. Attends, déjà y'en a un qui veut que je me teigne les cheveux en rouge comme la cuisse. Ah ouais.
T'es sérieuse? D'accord. Et pour la vie de tous les jours, hein. Je le confirme, je suis de son avis. Faut que je passe? Ouais. Ça va pas, non. Déjà avec mes cheveux roux. Moi j'aime bien. Elle a vraiment les cheveux rouges. T'as vraiment les cheveux rouges. Ah non, mais il a raison parce que la cuisse elle est bien. Certes, mais bon, non, parce qu'au boulot, je pense que le rose ça va choquer pas mal de monde. Déjà que, pour une petite anecdote, quand je travaillais, il y a mon big boss qui est venu au boulot et il m'avait vu la première fois, mais les cheveux non teintés. Et il revient au boulot et là j'ai des cheveux bien rouges et il me fait la bise et me fait: vous êtes? Ah, pas mal, pas mal. Là, je suis dit, mon Dieu. Et j'ai dit, bah, je suis moi. D'aller. Oui. Et... comme dans Kayon, quoi. Il me fait, ah. Bon, oui, peut-être. Aïe, aïe. Aïe, aïe, d'accord. You'll never be a match for me. Okay. Et ça, je peux pas le dire tous les jours. Avec le patois en toi. Tu sais que ça pourrait faire le titre d'un album, ça. Avec le patois en toi. Oh là là. Et aujourd'hui, je joue Rayman. Ah non, Bayman. Bémon. Baillement. Ah oui, pas mal. Baillement. Enfin bref. J'en ris gaiement. Oh, les blagues vaseuses qu'on fait, ça ne réussit pas le soir. Hein. Mais si, au contraire. On est chaud. Ouais, bah ouais, donc tu restes de ton côté. Non, pas chaud, comme ça, on est motivé, voilà. D'accord, oui. Je respecte tes choix et tes envies. Oh là. Oh. Alors ça doit bien faire mal. Tiens. Moi j'ai voulu lui grimper dessus. Je veux pas le savoir. Pas t'as pas vu ce qu'il a fait un peu, Bayman? Si, si. Okay. Oh là. C'est des choses que les enfants doivent pas voir. Ça va pas des idées. Ah, ça c'est le truc cheat de Bayman. Du coup, le Père Noël ramène pas leur cadeau, leur tonton. Alors que le Père Noël, tu sais, c'est le tonton qui fait le déguisement. Quoi? Le Père Noël, il existe pas? tu rigoles, mais il y a un mec sur iTélé à la chaîne TV qui d'info qui fait que non, le Père Noël n'existe pas, les enfants. Ça, c'est le cheat! Pas non! Si, Bayman peut cheater. Non! Avec ses coups de genoux. T'as la une de ses têtes, quand même, le mec, quoi. Quoi là? Une poêle dans la tronche en or. Qui pue toi sévère! Pue toi. Avec le pâteau en toi, qui pue toi sévère! Yeah! Je veux pas dire que je suis en train de parler au mec? Aléatoire, voilà. Toi en toi, qui pue toi sévère! Qu'est-ce qu'on peut rajouter après? Il faut que ça rime! Il faut que ça pue et que ça rime! Justement! Mio, ta mission, c'est que tu l'acceptes! C'est pire qu'une énigme du père Fouras, quoi. Premier indice. Avec le patois en toi qui... Ah non, on va laisser ça comme ça. Quel est... Il faut trouver une rime avec pu et toi dedans. Je vous donne un indice. Je vous donne un indice. Ça sent pas bon. Moufette. Ainsi, aussi appelé dans certaines régions comme un fromage. Le master. Oh, la clé c'est très vide. C'était le maroilles. Honnêtement, je pense que le master ça peut être aussi. Oh, le maroilles, oh, c'est bien bon. Hein. Le vrai maroilles, t'as jamais connu. Et toi, t'as jamais connu le vrai Munster, hein. Ah bah non. Je confirme.
je prends cher, c'est bon là. Rambo, derrière ton tank et de moi. Non, il est entre les cuisses. Alors je précise, hein, ce que j'ai écrit, c'est fait exprès. Un peu peur. Il n'y a plus rien. Oh zut. Malika. Il est beau en version pharaon. En train de en verre. En fait. Donc ça c'était le c'est le titre numéro 1 sur l'album Pas toi en toi. Maintenant, il faut trouver la deuxième chanson, la face B de la cassette. Je l'ai déjà trouvé. Kayon. J'ai trouvé le deuxième titre. Oh. Attention les yeux. J'espère que cette vidéo vous plaît. Surtout qu'elle est longue. Et c'est trop. C'est tout fini de toute façon, je vous rassure. Oh, je pourrais continuer encore, je crois. Moi, je suis parti là. Il faut que tu coupes. Oui, on pourrait bien la continuer, on pourrait faire une vidéo de 2 heures. C'est... Ouais, mais la Luna demain se lève tôt. Oui, mais JD aussi. Et le Mio aussi, ils en font amener à l'école. Ah, ça passe cette tenue, j'avais jamais vu. C'est Spike contre Buffy. Ah oh ouais, elle est bien cherchée. Mais carrément quoi. Buffy s'est fait une teinture par contre. Bah elle est blonde. Bah ouais, elle est blonde. Ah bon. Mais tu confonds avec qui? Je sais pas, mais je confonds avec un autre truc de vampire à la con. En plus, c'est vrai que Buffy elle habille généralement. On la voit limite habillée comme ça de toi. C'est encore une jeune demoiselle étudiante lycée. À Sunnydale. On dirait le nom d'un dessert McDo. Mais c'est clair. Le Sunnydale. Bah dis donc. Oh, tu m'écrabouilles un peu avec des talons, toi, tu oses. Bah ouais. T'as le mec qui l'a poché au point de mettre dans le désert, quoi. Mais en mode cabon activé. C'est un vampire de jour. Bah c'est un vampire de sang froid. Bah je veux pas le savoir, c'est comme dans Twilight, il brille au soleil. Mais qui tu parles de ce truc? C'est de la merde. Encore la chance qu'on ait pas eu une adaptation jeu vidéo. Oh putain, c'est pas... Parle pas de malheur. Attends, parce qu'ils nous ont fait l'Harry Potter, donc t'imagines là. Ton but, si tu acceptes, tu joues Bella, tu dois séduire un vampire. Et après, il t'embête dans des arbres. Et tomber enceinte et mourir à la fin dans d'atroces souffrances. Enfin, je sais pas si ça se passe comme ça, mais je m'en fous. Buffy a gagné contre Spike. Buffy qui a un tatouage. En fumant moquette. Donc voilà, il faut trouver un truc en fumant moquette. Le prochain titre de notre album. En fumant moquette. Tu restes aussi sur l'aléatoire? Ouais. Donc okay. C'est à moi de faire les paroles de notre prochain tube. En fumant moquette. J'ai une rime qui me vient, mais je la dirai pas pour cause de petit enfant. Non, tu ne pourras pas le dire, Mio. Je pense à des choses, mais je ne dirai rien. Je n'avais pas cette tenue, je viens de la débloquer. Par contre, là, Lisa, elle est en mode Paris Hilton, t'as mangé une biasse là. J'aimerais bien voir ça. Je la mange. Oh, t'as réussi à le placer, bien joué. Aïe. J'ai que ça moi comme toi. Ah non, j'ai ça aussi. Le mec 2 aussi. Oh, ça arrive. Non mais oh, petit con. T'es encore en train de chercher. Grâce, joli. Grâce au lag, j'ai réussi à contrer. J'avoue, il y a eu un petit lag. Enfin, moi perso, j'ai vu ça comme ça. Oh, oh le Fast Feng Shui derrière. Victoire du destin de Lisa. What? J'ai fait un
Oh mon dieu. En prenant ma baguette. Ah, j'ai un truc qui vient avec, attends, il faut que je le fasse. Mais non, c'était pas toi que je voulais. Merde. Aïe 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 aïe. Bon. C'est à toi de choisir, Luna. Yep, c'est fait. J'étais juste en train de regarder l'heure. Oui, non mais... On fait encore celle-là et encore une autre petite dernière au pire. Bien sûr, il faut finir notre chanson. Voilà. C'est un IP, il y a 5 takes dessus. Encore heureux qu'on puisse pas dessiner, hein. Oh, ça peut encore changer. Ça peut changer, c'est ce que j'allais dire en fait. On va se faire une partie de Pictionary sur internet. En ligne, la prochaine vidéo c'est ça. Un Pictionary multijoueur. C'est ça. Non, et on va parler de Pokédex. Que la dernière fois j'avais dessiné ça. Bon, vous êtes disponible quand? Bah, à moi de demain. Ah, j'ai mal au ventre à l'air comme ça, putain. Il va aller faire caca. Non, ça n'a rien à voir. Non, il va avoir le hockey. Oui. Parce que j'ai été mal mené aujourd'hui, c'est ça, quoi. Oh, mais hé, hey, c'est dégueulasse de faire ça. Ouais, mais je vais essayer de faire autre chose, t'as vu. Je te promets, je voulais faire autre chose. Oh non, le beau con. Oh. Alors, je dis tout de suite aux petits amis, là, ce qu'il m'a fait tout à l'heure, là, faire toujours le même coup. Ce genre de joueurs-là, c'est les plus horribles. Ah oui, non, ça c'est horrible. C'est des surtout... petits merdeux, pardon, mais c'est ça. Non, mais sinon, t'as raison, hein, n'aie pas honte de le dire. Mais surtout dans un coin, tu sais, quand ça te bloque. Ah oui, on te fait des choses. Encore hein. Pire. Ah oui. Spike, ouais. Ouais, Spike, en fait, c'est une femme. J'ai vu Mirette. J'ai vu Mirette. J'ai perdu la tête dès que j'ai vu ma petite Mirette. Je perds la raison. Je perds la raison. À chaque fois que je vois Marisson. Alors là, c'est pour qu'à dire. Ah si, Marisson est un Pokémon. Ah, je sais pas. Pas un Pokédex. Je vais avoir des fins, c'est du Mirette. J'ai des bouffées de chaleur. J'ai des bouffées de chaleur et ça c'est pas depuis tout à l'heure. Ah, je me tape encore Chris. On est chaud bouillant. C'est ouais, chaud bouillant. Motivés. C'est faut qu'on s'en garde un petit peu pour notre petit Pictionary. Ah oh bah je pense que vu notre niveau de dessin, je crois que ça va venir tout seul. Oh sérieux, on pourrait se faire ça aussi pour le Noël, allez, on se fait un peu de temps dans la live après. Ou pour la Nouvel An. Pour la Nouvel An, ouais, je pense que ce sera mieux. Ouais, pour la Nouvel An. Putain, tu m'as pété, j'ai même pas vu comment tu m'as pété. Ok, et... Ah, on est tous les deux en blanc. Enfin, moi en gris, mais... Je suis daltonien, je vous rappelle. Oh, prends tes photos de vacances au mur dans la tronche. C'est pas les miennes. Tiens. Et arrête de casser l'auberge de jeunesse. Mais non, c'est l'auberge des passes. L'auberge de ma jeunesse. Elle me rappelle que j'ai vu Suzette. Oh joli. Et qu'une femme a voulu me prendre dans son lit. Ouais, me prendre par terre serait mieux rimé. Et on va arrêter là parce que je sais bien qu'il est assez tard, mais bon, on va falloir qu'on mette ça interdit au moins de 12 ans là. Mais non. On met le petit warning dans la. Attends, t'as pas vu, à ce moment il y a la pub pour le CSA. Quand tu veux quoi. This is the end. Bah, je trouvais que c'était le bobo de la fin. Encore deux. Allez, combats. Bah, du coup, on fait une dernière bataille. Ouais. Voilà. Et il faut le classico à la fin. Non, le classico, elle prend qui elle, Louise. Ouais. Ah, ouais, bien sûr. Alors, on va mettre celle-là. Parce que vous l'avez pas encore vu non plus. Au pire, pour dire que c'est au interdit au moins de tel âge. Tu te rappelles tout à l'heure où je t'ai dit de mettre des images drôles. Bah, tu vas mettre un gros warning, tu vois.
Avec une phrase en dessous. Attention, propos choquant. Propos violent. C'est clair. À ce compte là il a pas fini le montage avant Noël hein. Mais si, je vais l'aider. Demain de toute façon je tourne une petite vidéo que je mets déjà samedi. Donc cette vidéo vous la verrez après. Que vous ayez vu que y avait entendu qu'il y avait une vidéo après avant. C'est ça, voilà. Et en plus moi derrière aussi j'en mets. Après donc, l'après-midi c'est soirée. C'est après-midi tranquille. Pareil. Et ensuite on va sortir avec les. Je vais sortir avec les filles. Allez, là où je pense que vous pouvez vous douter. Oui, en boîte de nuit. Ouais. Comment qu'on a vu ma petite culotte? Bah moi on me voit toute nue. Alors oui, vous voyez Luna nue. Je crois que ton copain il va pas. Il entend pas ça. Il regarde pas les vidéos. C'est parce qu'en fait il veut participer aussi. Bah ouais mais pas ce genre de jeu lui Oula, j'ai mal au cœur. Il serait plus sur les vidéos de course ou des choses comme ça. Mais je pense aussi qu'un petit Pictionary pourrait lui plaire. Merde. De toute façon vous avez deux PC. Oui, oui, oui. Donc il peut venir avec nous. Bah écoute, tu le dis, j'ai une lance invitation et voilà. Tu peux gagner. Allez, oh. Un partout. Je me suis laissé déconcentré par les propos qu'on tient sur mon chef. Oh, attendez, des Alpha, faut moins qu'elle mette un coup là. Faut pas qu'il. Oh, voilà. Elle est pas contente. Non, mais dis donc, on utilise. On n'a pas le droit de jouer avec le mais, feu. Mais tout feu, tout feu là. Ah, tu as bien placé celui-là. Ouah, wow, c'était quoi ce truc? Ah, je vais perdre! Oui! 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 Luigi the winner! Yaha! Pardon. Luigi regardait vers les machines levantes. Qui était pourtant déjà bien au sol. Allez, salon! Allez! Death! Et bien les petits. Ah bah, il y a encore un combat. Ça s'arrête plus. Ça arrête plus, dis donc. Pourquoi encore un combat? Je sais pas, moi apparemment. Oui, contre moi. Ça m'a lancé un combat, oui. Ah bon, pour. D'accord, vous avez pas mis salon? Bah si, pourtant j'ai appuyé, mais ça m'a mis là directement. Bon, allez, on finit vraiment là, c'est vraiment le dernier. Et évidemment, on laisse Mio commenter et avoir le mot du jeu de la fin. Oula. Voilà, et tu mettras des images drôles. Donc, attention, je ne vais rien écrire. Vous allez vous taire, vous allez m'écouter. Ça va être très long, et je pense qu'il va y avoir un gros plan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus le temps sur YouTube. Encore un coup du CSA Premier de France. Alors. Bon, on attend de votre adversaire parce qu'il est loin. Donc. Nous avons en compagnie de mille lui avec le patois dans toi qui pue toi à se faire contre un corps à verre en fer. En fait mon moquette, j'ai ouvert la braguette, j'ai vu Mirette, this is the end, this is the end. Franchement ça mérite de passer au Energy Music Award. Ah oh bah là c'est clair, je suis désolé, ouais. Mais à côté Miley Cyrus sont là-bas. Hein. Allez, attends, merci. Ah, ça commence à laguer par contre là, vous avez remarqué? Ah non. Ah non. Bon, ça lague pas du tout. Pas du tout. Ah, alors c'est moi qui. Ah là là. Ah, j'ai franchi. Ah, par le pouvoir du cobra, Waka. Oh, ça me fait penser que hier j'ai vu une vidéo. Non, j'ai vu une vidéo de Coréens qui ont fait la transformation d'Iron Man. Oh oui. Façon Sailor. Oui, mode. Je l'ai vu. LOL. J'étais plié. Bon, vous faites vous allez au salon. Bah, c'est pas aussi violent que Yui en mode masculin. Aïe. Non. Mais c'est voilà. Bon. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais bon. Oui, c'était une horreur, mais on ne dira rien. Oui. Mais. Donc voilà. C'était juste en transformation Sailor Moon, hein, parce qu'il mettait sa combinaison. Et pour rappel, Sailor Moon, c'est reparti l'animé en janvier 2014.
C'est vrai, oui. Ouais. Oh, c'était la petite pub. Hein. Non, mais la, le seul animé que je regarderai en hiver 2013-2014, c'est Nobunaga's Fool. Ah, pourquoi moi, j'en ai une dizaine, je suis mal parti. Alors, bon, bah sinon, là, on a fini. Bah oui. Oui, on a fini, on va dire, donc on s'est bien amusé, j'espère que vous vous êtes pas ennuyés avec nos conneries. Ah non, non, je pense pas. Ah, c'était pas à toi que je parlais, Julie. Ah non, mais... C'est aux petits amis. Voilà. Mais... Les petits amis de voilà, de mais faudra qu'ils donnent leur avis, quel est leur perso préféré, la technique, pourquoi... Moi, je veux tout savoir. À mon avis, ils vont pas retenir cette question-là en priorité, enfin bon. Ils vont retenir quoi? Oh... Bah... Il y en a certains qui vont peut-être y répondre. Oui, oui, parce que voilà, ils sont comme ça, mais... Voilà. Ça fait peur. Mais je pense qu'il y en a certains qui vont retenir surtout nos conneries. Ouais, et ils vont bien nous tacler. Ils seraient capables de nous sortir une nouvelle rime pour notre chanson. Je pense que oui, hein, ils ont une grande imagination. Mais bien entendu, nous sommes d'accord, vous ne nous dénoncez pas aux administrateurs de YouTube. Il n'y a aucun contenu offensant de ce qu'on nous avons dit. Mais de toute manière, au-dessus de la vidéo, il y aura marqué interdit au moins de... Enfin, déconseillé au moins de... Oui, déconseillé. Oui, oui, voilà, parce qu'après, hein, on sait très bien que les enfants... Les enfants m'entendent de plus belles. Les enfants de nos jours, de toute manière, ils jouent à Call of Duty, ils ont 10 ans. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ils savent ce que font papa et maman derrière la chambre. Preuve en est, il y avait un super nanny la dernière fois. Le gamin, il avait 10 ans, il jouait à Call of Duty. Du matin au soir, il jouait 5 heures par jour. Ah ouais, tu même quoi, et t'avais vu en fait le Super Nanny où justement le gamin la traite de super pétasse? J'adorais ça. Non, je l'ai pas vu celui-là. Ah, excellent. Et bien, et bah toi, t'as une super pétasse. Le gamin, il a 8 ans. Sympa. Éducation. C'était assez drôle. Donc voilà, les enfants, c'était tout. Et... Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut pas dire pétasse aux gens. Parce que c'est pas bien. C'est ça. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'on s'aime tous. Bah, c'est Noël, on s'aime tous. Voilà, on vous souhaite tous un très joyeux Noël en tout cas. Bah, c'est voilà. Ouais, un très très Happy bon Noël. Christmas. Oui, je sais, j'ai fait ouais. Un petit peu. Ouais. On dirait un pervers qui a plus de dents, mais. C'est non, le père qui a plus de temps. Le père qui a plus de temps, c'est Père Fouras. C'est pas drôle, peut-être. Elle l'a dit. Oui, le Père Fouras vous souhaite de joyeuses fêtes. Oh, oh. Oublie pas de mettre les sons des clochettes à la fin du. Je te passerai un son de clochette. Oui, merci. Et ben alors, on vous dit tous au revoir. Ouais, voilà. Merci à tous. Et puis à la prochaine. Ciao, bisous. Pour la nouvelle heure, c'est ça. Allez, un beau Pictionary. Ciao. Ciao.